Bonjour et bienvenue sur automoto.com sous le magnifique soleil bourguignon, n'est-ce pas Arthur, pour le premier duel France-Allemagne, notre numéro spécial donc France-Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons Arthur, la nouvelle Volkswagen Polo face à la très récente Citroën C3. Voilà, alors c'est des petites citadines mais polyvalentes. Et pour prouver leur polyvalence, on a choisi les motorisations quasiment les plus puissantes. Donc un 110 chevaux pour la petite C3 et un 115 chevaux pour la Polo, qui dispose, elle, d'une boîte 6 vitesses. Alors, tout au long de ce duel, on va évidemment choisir à la fin la vainqueur sur des critères très simples comme, évidemment, le prix, les équipements, les aspects pratiques, mais aussi l'agrément de conduite. Alors, avant de vous parler de choses totalement pragmatiques sur ces deux voitures, on peut déjà comparer les styles de la C3 et de la Polo. Et pour ma part, je trouve que, alors, on aime ou on n'aime pas, mais la C3 apporte un vent nouveau avec cette bouille un peu rondouillarde face à une Polo très, peut-être un peu trop sérieuse. Un peu plus discrète, je te l'accorde. Alors tu vas voir à l'intérieur, c'est un petit peu la même limonade, puisque, je t'invite à t'installer, la C3, peut-être qu'elle n'est pas très bien finie, mais en revanche, c'est plutôt gai à l'intérieur. Allons voir. Alors tu vois Arthur, moi ce que j'aime bien dans cette C3, eh bien, c'est un peu l'atmosphère à bord. Ces espèces de panneaux avec de la moquette dessus, comme sur les panneaux de porte aussi, et puis ces espèces de poignées aussi qui ressemblent vraiment à des hanches. Je trouve ça assez sympa, ça fait assez jeune. C'est vrai que les sièges aussi sont bien larges, bien confortables, bien moelleux. Une ambiance un peu à la française, mais il y a quand même pas mal de plastique dur, surtout quand on va aller voir la Polo. Alors justement aussi, il y a un truc qui est appréciable à la bande de cette C3, c'est ce sentiment d'espace. Ouais, sentiment d'espace, bon, on a de la place, mais pourtant les chiffres nous disent que la Polo est encore plus habitable. Eh ben on va aller voir ça. Alors tu vois Arthur, c'est vrai que cette Polo dégage une vraie impression de qualité. On a tout simplement l'impression d'être dans l'habitacle d'une voiture de la catégorie supérieure, pour pas dire la Golf. Malheureusement, je trouve que c'est aussi triste qu'une Golf à l'intérieur. Et tu dis qualité Volkswagen, mais quand même, il y a des plastiques en bas de console. Comme sur la C3, il y a quelques plastiques durs, mais là, c'est moussé, ce qui est assez rare pour la catégorie, c'est à noter. Et ce que je trouve qui est bien dans cette voiture, c'est la sensation d'espace quand même. Oui, malgré cet habitacle austère, eh bien, les chiffres le prouvent, la Polo est plus habitable que la C3. Alors elle mesure 4,05 m, 4 mètres pour la C3, mais ces 5 cm, on le retrouve en espace aux jambes à l'arrière, et plus étonnamment, on le retrouve aussi en largeur au coude à l'avant, et c'est vrai que même pour les grands gabarits, c'est pas mal. C'est vrai, je confirme. Alors si la C3 s'est avérée très à l'aise en ville grâce à son gabarit contenu et à sa suspension souple, c'est un peu à double tranchant sur route puisque cette suspension du coup nuit un peu au dynamisme de l'ensemble. Alors la tenue de route n'est pas en cause, mais la voiture est un peu plus pataude que la Polo, la direction est un poil trop souple, donc on a un peu moins de plaisir qu'à bord de la Polo. Autre grief, la commande de boîte, c'est un peu dommage, elle accroche. Parce que le moteur, pourtant, il a du répondant. Le PureTech 110 chevaux est parfaitement adapté à la C3. Il offre de très bonnes performances et on pense un peu meilleur que sur la Polo. Reste que cette voiture est plus confortable et finalement très agréable aux allures usuelles. Et donc, c'est une bonne petite polyvalente.
si la C3 conserve l'avantage en milieu urbain, eh bien l'Apollo reprend la main sur la route. Pourquoi ? Parce que son comportement routier est tout simplement plus plaisant. La voiture prend moins de roulis et surtout la direction, plus ferme certes, se montre plus précise. Alors sur le réseau secondaire, eh bien ça a son importance. Enfin, autre détail très important aussi, la commande de boîte à 6 rapports s'il vous plaît est bien plus agréable à manier. Sous le capot, le 3 cylindres semble moins performant, mais il est aussi moins bruyant et sur long trajet, ça compte beaucoup. Et bien pour ce premier match France-Allemagne, Arthur, c'est l'Apollo qui l'emporte grâce à ses prestations globalement supérieure en termes de comportement routier, d'habitabilité et aussi de qualité de construction, mais reste à la C3 évidemment de nombreuses qualités. En premier lieu, son confort de suspension supérieur à l'Apollo, sa bouille très sympathique et son tarif canon. Voilà ce premier match France-Allemagne, j'espère qu'il vous a plu. Nous avec Arthur, on vous dit à très bientôt sur automoto.com. Ciao! Allez!